Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Écoutez, on est parti sur GTA. On va tenter déjà de tourner la roue, voir si on peut gagner un truc, et après je vous montrerai une de mes voitures préférées. Donc let's go, c'est qu'on va pouvoir toucher quelque chose. Après, c'est vrai que là, c'est une moto à gagner, mais bon, je dis pas non. Hein. Je ne dis pas non. Donc, ce sera pas la moto. Ce sera juste à côté d'ailleurs. Dommage. 15 000 RP. Ok. Bon, je vais aller vous montrer la voiture que j'aime bien en ce moment. Après, c'est vrai que je change assez souvent de voiture, donc direction le garage, le parking du casino. Alors c'est voilà, c'est une voiture un peu à l'ancienne, mais j'aime bien ce qu'elle a du flow, elle est rapide. Elle est customisée de chez AO. C'est celle-ci. Voilà. Elle est full max. Elle est très rapide et très sympa à conduire. Let's go. On va se faire un petit tour. Okay, the club is up and running. Donc, comme on peut le voir, vraiment, elle est magnifique. Alors, après, le covering, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est sûr que c'est un peu spécial. Mais moi j'aime bien, franchement j'apprécie beaucoup. On va laisser taper une petite pointe sur l'autoroute, qui est juste là d'ailleurs, je sais pas où je vais. Alors sur ce compte, je crois que j'ai qu'une seule voiture, deux. J'ai vraiment pas grand chose. Mais voilà, c'était histoire de vous montrer un petit peu une voiture que j'aime bien. Franchement, je l'aime bien. C'est à l'ancienne, c'est une petite féfé à l'ancienne. Petite féfé à l'ancienne qu'on a mis bien. Donc ça régale, franchement. Et si je dis pas de conneries, je crois que c'est une boîte 7 ans. Je crois que c'est une 7 vitesse, il me semble. Bon, on va essayer d'écouter si on entend les rapports, tiens. Ça va être compliqué. Deux, trois, quatre, cinq. Six. Alors je sais pas, comme j'ai ralenti, peut-être que ça a rétrogradé. On va essayer de refaire un essai, tiens. Je crois que c'est une 6 ou 7, de toute façon. C'est sûr, c'est au moins une 6. On va retenter un test ici, tiens. Deux. Trois. 4. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Deux.
3, 4, 5, 6, j'arrive pas. Waouh. Il faudrait que j'aille sur l'autoroute pour tester ça. C'est pas très important en soi. C'est histoire de tester un peu. Franchement, elle est très appréciable parce qu'elle accroche bien. Et même quand elle glisse, elle est rattrapable. En accélération, franchement, elle donne bien. Oh, c'est une voiture que je vous conseille. Ce sera peut-être même le titre de la vidéo d'ailleurs. Une voiture que je vous conseille sur GTA. Parce que c'est une voiture qui a pas mal de sensations, je trouve. Qui donne pas mal de sensations. Après, c'est une question de goût. Hein. Il y en a qui vont pas aimer. Hein. C'est chacun son. Chacun son délire. Franchement, pas mal. Après, ça reste une voiture à l'ancienne, comme j'ai dit. Allez, on va se braquer la petite épicerie. Épicerie. Allez, pêche-toi. Tranchez vos ailes. Ah, oh, c'est bien. Once a week. J'ai vu qu'il allait prendre un truc. Ça va être chaud de semer la police par ici. Franchement, magnifique. Impatient de voir le GTA 6, ce qu'il va donner. Le prochain opus de Rockstar, à mon avis, ça va être une dinguerie. Ah, j'ai 2-3 voitures comme ça à vous montrer prochainement dans d'autres vidéos quoi, ce sera juste des petites présentations comme ça, histoire de vous montrer un peu les voitures que j'aime bien. Voilà quoi, il n'y a rien de spécial, hein. C'est juste du kiff. La voiture a éclaté maintenant, mais on s'en fout. On avait un petit peu son potentiel. Eh ben ça régale, franchement. Elle ressemble plus à rien, mais... Ouais, elle en est pas, là. Presque en est pas. Par
Comment ils m'ont repéré, je ne sais pas. La question est là, je ne sais pas. Ça doit être l'hélico au loin qui m'a vu. Oh le bordel. C'est pas grave. Ah, c'est mort, ils sont là. Ils sont sur mes côtes. Alors je reviens les 3 étoiles et j'ai l'impression qu'ils ont endurci le truc. Je suis pas sûr de ce que je dis, après c'est peut-être moi. Je conduis mal depuis tout à l'heure. De nuit, se mettre à l'abri. Si c'est possible. Là. Est-ce que je suis obligé de faire le tour? Ouais, bah. Apparemment, ouais. Parce qu'il y a la police partout. Et bah là, c'est mort. J'aurais pas dû. Je vais les feinter. Hop, on va revenir en arrière. Oh bah c'est bon. Ah non, ils sont encore là-bas. Non, c'est pas grave. Je pourrais pas les feinter là. Si, non, j'aurais dû les semer. Je vais les semer, j'en vais pour 2 secondes. L'hélicoptère, il a remis du carburant et il est de retour. C'est bon. Pour moi, elle donne vraiment des bonnes sensations. Elle est rapide, elle est belle. Elle fait le taf. Donc voilà, je voulais vous la montrer. Je voulais vous la présenter. Les amis, à bientôt. Fin de vidéo. Je sais que ça va assez vite, mais c'est une petite vidéo comme ça pour vous présenter une de mes voitures préférées du jeu. Je vous dis ciao. N'oubliez pas le petit abonnement. Ça régale. Ciao, ciao.